Je t'adore français, je surprends mon enfant qui fume des cigarettes derrière mon dos. Hé hey Kevin, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu, tu passes tout de suite ce mégot. Je te préviens, tu passes ce mégot, sinon je te confisque ta console PlayStation 3, je te la confisque. Et donne-moi ton téléphone, qu'est-ce que t'es en train de faire? Donne-le-moi tout de suite. Allez, hein, ça commence à bien faire. Le mégot, c'est à la poubelle, et je prends ton téléphone, et je prends ta PS3. Allez, donne tout ça, dépêche-toi. Tu donnes, sinon j'appelle ton père. Je t'adore en français, je joue la coiffeuse bourrée. Bonjour madame, vous venez pour faire quoi à vos cheveux? Alors, je voudrais faire un carré blond avec une frange. Ok, je vais préparer le matériel. Alors, le carré, voilà, il est bien fait. Alors, une coloration blonde, voilà. Mais madame! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mais vous êtes trompée! C'est pas ça que je voulais du blond, vous m'avez fait du noir, et mon carré n'est même pas droit, et ma frange, elle est ratée! Ok, désolé, je vais réparer mes erreurs. Je t'adore en français, je joue la petite fille qui va au coiffeur. Bonjour, ma petite fille. Alors, tu veux faire quoi? Non, excusez-moi, madame. C'est moi qui choisis ce que ma fille veut faire. C'est pas elle. Je vous le dis tout de suite. Alors, ma fille, elle va couper juste les pointes de ses cheveux et rien d'autre. C'est tout. Et pas de couleur ni rien. Que les pointes de ses cheveux. Oui, mais peut-être la petite, elle veut faire quelque chose d'autre. J'en m'en fous. C'est moi qui commence. C'est moi sa mère. C'est pas vous. Alors, c'est moi qui décide ce que ma fille aura sur la tête. Jeu d'acteur en français. Je joue l'éducatrice du centre aéré. Bonjour les élèves. Le programme d'aujourd'hui, c'est du vélo. Nous allons faire du vélo dans une forêt. Alors, tout le monde a mis des baskets? Julie, t'as mis des baskets? Non? Bah, tu resteras là avec les autres hier, je vous l'ai dit. Vous mettez des baskets, nous allons faire du vélo. T'as pas mis basket, tu resteras avec les autres qui peuvent pas faire du vélo. Tant pis pour toi. Jeu d'acteur en français, je joue l'accueil d'un camping. Bonjour madame. Vous avez réservé quel nom? Madame du Cheval. Alors, madame du Cheval, votre numéro de bungalow est le numéro 15. Oui, numéro 15, en partant vers votre droite, vous tournez à gauche et le, vous allez le voir, c'est écrit numéro 15. Tenez vos clés. Alors, il y a une clé pour ouvrir la porte de votre bungalow, une clé pour les douches en commun qui se trouvent là-bas à côté des sanitaires. Jeu d'acteur en français, je joue la maman qui rhabille ses enfants pour la rentrée des classes. Allez Emma, allez Alice, allez Maxime, allez Kevin, allez choisir les vêtements que vous voulez pour la rentrée. Et maman fait le tour du magasin et on se rejoint en caisse. Alors Emma, t'as pris quoi? Ok, t'as pris ça et ça. Ok, ça c'est pour Emma. Et toi Maxime, t'as pris ça, ok. Et toi Alice, t'as pris ça, ouais. C'est beau, la petite robe. Et toi, Kevin, t'as rien trouvé? Tu te fous de moi? Tu retournes tout de suite dans le rayon garçon et on va chercher. Si, si, il y a plein de vêtements, ton frère y a trouvé. Alors arrête un peu, si lui y a trouvé, tu vas trouver. Jeu d'acteur en français. Je joue la maman qui fait les fournitures scolaires avec les enfants. Allez, Emma, allez, Maxime, allez, Kevin. Ça fait une heure qu'on est dans le magasin. Vous avez toujours pas choisi votre sac d'école. Vous allez vous dépêcher. Il y a encore les trousses. Il y a encore les cahiers à choisir. Il y a encore les classeurs, les agendas, tout ça. Alors on se dépêche. On va pas y passer des heures dans le magasin pour vous. Dépêchez-vous. Jeu d'acteur en français. Je joue le retour client énervé. Bonjour madame. C'est pourquoi? Un retour client? Elle vous voit pas la veste que je vous ai vendue la fois, non? Ben, il fallait regarder les tailles. Il y a les cabines d'essayage là-bas. Voilà, arrêtez de faire toujours des retours clients. À chaque fois que vous venez dans notre magasin, c'est pareil. Vous faites des retours clients.
Alors je ne prends plus ni l'article, vous n'avez pas le ticket de caisse comme d'habitude. Allez, au revoir. Prédateur en français, je joue le vendeur de vêtements au marché. Approchez, approchez, 10 euros les pulls. Les maillots coris à 5 euros. Approchez, approchez, venez. Les pantalons sont à 10 euros également. Bonjour madame, que désirez-vous? Un pull? Il a 10 euros. Tenez votre pull, 10 euros s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Prédateur en français, je joue la rentrée des classes entre copines. Hey, ça va Maïva? Oui, toi, qu'est-ce que t'as fait de tes vacances Maïva? Ah, t'es à la plage? Ah, moi aussi j'étais à la plage, t'as été où? Ah, Marseille? Ah, moi j'étais à Berck-sur-Mer, ah ouais. Ouais, bah moi il n'y a plus lundi et dimanche et puis samedi, mais le reste de la semaine il a fait beau. Et toi? Toi il a fait beau toute la semaine? Oh, c'est trop bien. Eh, ça va Sarah et toi? Ah, t'as pas été en vacances? Ah, dommage, peut-être l'année prochaine. Je date en français, je joue la boulangère désagréable. Bonjour, que voulez-vous? Alors, 3 petits pains avec ceci. 2 baguettes de pain avec ceci. Ça sera tout, 5,50 € s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Je date en français, je fais le vigile qui demande les passes sanitaires. Bonjour, avez-vous les passes sanitaires pour entrer dans notre magasin? Non, alors vous ne pouvez pas passer. Bonjour, avez-vous les passes sanitaires, monsieur? Oui, faites montrer. Alors, oui, c'est ça, vous pouvez rentrer. La terre en français, je joue la gynécologue. Bonjour, madame. C'est pourquoi? Pour voir le sexe du bébé. Alors, vous pouvez vous installer confortablement. On va regarder tout ça. Alors, je vois... que c'est une petite fille, madame. Félicitations, vous aurez une petite fille. Je date en français. Je joue la maîtresse qui dispute un enfant qui s'est battu. Hey, Kevin, Mathéo, qu'est-ce que vous faites là? À vous battre? On n'est pas la jungle. On se bat pas comme ça. Vous allez vous calmer. Oh, t'as fait les Kevin, tu vas te tuer. Arrête. Bon, va aller tout de suite au bureau. Va aller voir la directrice. Allez! Je date en français, je joue le gendarme. Bonjour monsieur, sortez du véhicule. Contrôle de véhicule et contrôle de papier de véhicule. Et votre permis de conduire, monsieur. Allez-y, dépêchez-vous. Alors, votre permis de conduire. Ben, il n'y a plus de points. Vous foutez moi ou quoi? Vous conduisez alors que vous n'avez plus de permis. Ni de points. Mettez-vous sur le côté. Le chien, il va contrôler s'il n'y a pas de drogue, s'il n'y a pas d'alcool, ni rien. Allez, sur le côté. Jeu d'acteur en français, je joue la meuf qui s'est fait tromper par son mari. Alors comme ça, tu m'as trompé avec ma meilleure amie? C'est ça? Tu m'as trompé avec ma meilleure amie? Comment t'as pu me faire ça? Et cette pouf, je vais la retrouver, je vais la défoncer. Pourquoi tu m'as trompé avec ma meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Je note en français, je joue le boucher bourré. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Alors, 3 cuisses de poulet avec ceci. Une cuisse de dinde avec ceci. 3 côtelettes, tenez. Oui, c'est pas ça? Oh, je me suis trompé, excusez-moi. On va refaire la commande dès le début, ok? Non, vous voulez pas? Bah tant pis, à plus tard. Jeu d'acteur en français, je joue la meuf qui est pas dans la même classe que son amie. Hey, meuf, t'es dans quelle classe? Avec monsieur Rochard. Non, on n'est même pas dans la même classe. Comment on va faire? On va même pas manger aux mêmes heures, ni rien. Je serais obligée de retrouver des nouveaux amis. Non, moi je veux pas. Et moi, je suis avec madame Broquette. Mais je veux pas être avec elle, ça va être une année pourrie.
J'aide à terre en français, je joue le vendeur de beignets énervé. Bonjour madame! Combien de beignets il vous faut? 4 beignets, 6,50 €. Dépêchez-vous! J'ai des autres clients qui attendent. Tenez, au revoir! Bonjour monsieur! Combien de beignets qu'il vous faut? 8! Tenez! 8 euros s'il vous plaît! Tenez, merci! Au revoir!